On est bien à la maison, hein? Ah oui, très bien. On est bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, on est bien. Toute plaie ici chez moi? Très bien. Puis c'est bien d'être invité. Moi, j'aimerais bien un jour venir chez toi également. Dimanche matin pour tes croissants. Alors là, je t'ai déjà invité, tu ne peux jamais venir parce que tu travailles beaucoup trop. Non, mais le dimanche matin. Non, mais c'est vrai. Mais un dimanche matin. Non, parce que tu veux que je te prépare quelque chose. Non, mais le dimanche matin, je vais te dire, généralement, je fais dodo à la maison parce que je me repose de la semaine. Mais un dimanche matin. Ah, c'est à quelle heure, toi, les croissants? Maintenant, c'est 10h, les croissants. 10h à 10h30. Ah, je peux venir à 10h, je suis réveillé avec la fille. Ah oui, bien sûr. Ah oui, sans problème. Ah, je pensais que c'était à 7h du matin. Non. Oh non, pas tout. C'est vrai que Dorothée, la jeune femme que vous voyez, est recordman d'antenne. Hein. C'est vrai. Combien de temps d'antenne tu fais par semaine? 22h. 22h. 22h d'antenne, l'équipe de Dorothée. On applaudit. Qui dit mieux? On regarde la photo. Ouais. Alors, la photo... C'est donc la communion en 60-61, 46-09, 82-66. Est-ce que tu avais déjà à l'époque envie de faire de la télé? Oh non, j'y pensais même pas. D'abord, j'avais pas de télévision. Comment t'es venue à faire de la télévision? Le théâtre amateur. Parce que justement, dans ce collège, ce qui m'intéressait à partir de la 6e, j'ai plus de souvenirs à partir de la 6e. Oui. Et on faisait le spectacle de fin d'année. Alors, dès le début de l'année, je m'occupais surtout de ce spectacle. Et quand on est devenu un peu plus grand, et qu'il a commencé à avoir des garçons à l'école... Oui. C'est-à-dire, je sais pas, au niveau de la première, on a fait du théâtre amateur pour rigoler. Puis on nous a dit qu'il y avait un concours de théâtre amateur. J'ai passé ce concours dans le jury. Qui y avait-il? Jacqueline Joubert. Et est-ce que tu te souviens, de ta première émission de télévision? Oui, très bien. C'était laquelle? C'était les premiers mercredis de la jeunesse, c'est-à-dire que l'époque, le jeudi est passé au mercredi. J'étais en compagnie d'une marionnette Blablatus. Et on avait 4 heures d'antenne en direct. 46-09-82-66. Allô? 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 Vous êtes sur l'antenne de TF1 avec Dorothée, bonsoir. Bonsoir Frédéric, je suis le numéro 16. 16? Oui, avec la couronne enfoncée sur le crâne. Ah oui. Alors, on ne voit pas beaucoup, hein? Moi, il faut absolument que tu me reconnaisses. Alors, il faut que je te connaisse. Oui. On était en classe ensemble? On a quand même été en classe ensemble du jardin d'enfants à la terminale. Oui, donc si je ne t'en connais pas... Du jardin d'enfants à la terminale, hein? Ah oui. Oh là là, bye. Alors. C'est pas Odile, non? Non, pas du tout. Mais est-ce que vous vous êtes revus depuis la terminale ou pas du tout? On s'est à peine revus. Moi, je la revois beaucoup, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui. Tu as des enfants? J'ai des petits-enfants qui sont très très admiratifs et pour lesquels mon principal titre de gloire est principalement d'avoir été en classe avec toi. Ah bah oui. Mais alors, donner un indice à Dorothée, qu'est-ce qui fait que de toute façon elle ne peut pas ne pas vous reconnaître? Ah, oh, parce qu'elle me connaît bien et puis parce que je vais lui évoquer, par exemple, elle parlait de spectacle de fin d'année. Oui. Moi, j'ai des photos où tu es en clown, vert et rouge. Tu as des photos? Oui, avec moi à côté et Mademoiselle Gauthier dans les coulisses qui crie tellement fort qu'on n'entend pas la musique. Oui, ça c'est vrai. En place, 1, 2, le soleil, tu rentres. Voilà, comment? Et puis j'ai des photos en troisième du Major Cravachon où tu es en train très sérieusement de broder toutes sortes de choses alors que moi, je suis le jeune homme censé te séduire. Alors, qui ça peut être? Et puis j'ai des photos également... C'est ta voix que je ne reconnais pas, évidemment, c'est logique. La voix, elle a pu changer il y a quand même 27 ans. Hein. Des photos des plaideurs, à l'époque où le dimanche matin, on allait répéter dans un garage, et mais... où tu jouais Petit Jean quand je jouais la comtesse. Oh mais oui, mais si, je ne connais que toi, mais alors, vraiment, c'est horrible, là. Alors, donnez l'initiale de votre prénom. Alors peut-être non, je vais évoquer autre chose. C'est Mon Jardin, Les Lilas et Les Cabanes dans le Jardin. Catherine? Oui. Mais tu es ma grande copine de classe. On s'est jamais quitté. Catherine Grandpierre. Voilà. Oh, ma grande, oh là là. Je suis contente de t'entendre, vraiment. Ah, moi aussi, je suis extrêmement contente. On se quittait jamais, on était les deux doigts de la main. Voilà. On se faisait attraper ensemble, enfin bon. Voilà. Catherine Grandpierre. Oh, tu viens vendredi? Eh bien, malheureusement, non. Oh non, dis pas ça, pourquoi? Je ne peux pas, je suis en province et je ne peux vraiment pas. Je crois que mes enfants ne me le pardonneront jamais, d'ailleurs. Alors, il faudra que je répare ça. Je les amènerai t'applaudir au Zénith, par exemple. Oui, bah tu seras invité. Enfin, on en parlera autrement. Tu peux vraiment pas venir? Malheureusement, non. Je ne peux pas. Bon, t'habites à côté de Bourg-la-Reine, je crois. Oui, tout à fait. À Sceaux? Tout à fait, voilà. Bon. Oui, alors... mais on ne s'est jamais revus après le bac. On ne s'est jamais revus alors qu'on passait nos vacances ensemble. Tu m'as invité chez toi. Exactement. On mangeait du foie gras et tout. Et on n'aimait pas ça à l'époque. Catherine, en tout cas, on espère vous avoir
On espère vous avoir au téléphone vendredi, au moins peut-être que vous allez participer à l'émission encore par téléphone. Et en tout cas, nous regarder, regarder toutes les autres camarades de classe. Ah, ça, certainement. Tu te souviens des prénoms des copines, toi? Pardon? Tu te souviens des prénoms des copines? Ah, je me souviens de certaines, mais c'est bon. Bien vieux, hein. Parce que moi, bah oui, qui le dis-tu, mamie? Même le tien, on essaie de l'oublier, hein. J'essaie de dire Dorothée. Ah, très bien, bravo. Et non pas Frédéric. Catherine Grandpierre, merci. On va laisser la ligne disponible au 46 09 82 66. Merci infiniment de votre appel et de je votre témoignage. À très bientôt. Au revoir. Oui, on va.